Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve avec MacRentor pour un tout nouveau let's play sur Crusader Kings 2. Salut tout le monde. Voilà, et vous remarquez que vu l'emplacement où on est, on va jouer en Afrique. Ah bah oui, ça va vous surprendre, hein, parce que c'est pas vraiment le genre de région où on est à l'habitude de jouer. Hein. Bah, je crois même qu'on a... On a déjà fait une partie en Afrique, même sur EU4. Non. Moi, je crois qu'on n'a jamais joué en Afrique. Et en fait, en France, on dirait la France aux Français. En Belgique, on dirait la Belle... Non, en Belgique, ils disent rien. Et donc là, on a dit l'Afrique aux Africains, pas trop. Donc, t'as la religion qui est africaine, qui est une religion qui n'existe pas. Et le but, c'est... Les miaphistes, là, les coptes, on les dégage. Les feuges, on les dégage. Tout le bordel là-haut, les musulmans, on dégage. Les catholiques, on dégage. Et l'Afrique aux Africains. Et comme on disait, frontière de l'Afrique, on considère, c'est, je crois, on a dit le Sinaï. Ouais, c'est ça. Al-Farama, c'est en Asie, et tout ce qu'il y a, le Kouzloum, le machin truc, le canal de... Non, c'est là le canal de Suez, ouais. À gauche du canal de Suez, c'est l'Afrique, à droite, c'est... Ah oui, monte la gueule d'Egypte. Ouais, mais l'Egypte a le Sinaï. Bon. Ouais. Non, je serais d'avis, on prend le canal de Suez, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un canal, on coupe le continent, et on se retrouve sur une île. C'est ça. Voilà. Donc, ce qu'on a pris pour ma pomme. Alors, après, pareil, hein, comme vous savez, quand on joue, hein, on n'est pas en mode hardcore. Donc, on joue en mode easy, vu qu'on fait souvent de la merde en multi. Donc, moi, je prends le compte de. Compte de quoi? Compte de Zamfara. Qui, si tu parles là. Serikai, bah, il va se présenter. Et le but, c'est concrètement. Moi, je suis à droite, Serikai à gauche. Voilà. Moi, je prends. Je commence par former l'Empire de Kalen Bono, lui, il fait l'Empire du Mali. Donc, voilà. Des étapes, je fais le Royaume d'Aoussa, lui, il fait le Royaume de Songhai. Étape encore avant pour moi, je fais le duché d'Aoussa. Et toi, t'es déjà duc de Songhai? Ah non, toujours pas. Ouais, si je suis duc de Songhai, mais il faut... Ouais. Enfin. Non, tu peux faire le duché. Bah, t'es sûr, t'as le dessin d'un duc, toi? Ouais. Ah oui, t'as raison. Bah ouais, ouais. Non, c'est la couronne, ouais. C'est grand chef. Donc voilà, il va falloir qu'on crée notre duché. Donc voilà, le duché, moi, par exemple, le duché pour le crime, faut quoi? Des thunes. Ouais. Bon. Là, il va falloir de la thune, de la piété et un petit titre de duc. Oh bah ça, des titres de duc, j'en ai 4. Mais voilà, donc on va faire. On va. Ah, il a pas. Ah, c'est quoi ça, intendant? Devine Aoussa, ouais. Ah, mais j'ai. Putain, il peut pas. Merde, il n'y a pas l'intendant là, il peut pas récolter des taxes. Ouais, c'est ça le problème. Maîtresse pure à 9. Ah, putain, c'est un peu des dos points sans lui. Oh là 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 là. Vu mon que j'avance, quoi. Bon. Ok, domaine personnel trop grand, je m'en bats les couilles. Moi, je vais faire des gosses. Plein. Ah oui, les sociétés secrètes. Moi, comme dame, moi, enfant de la tempête. Je vais me faire casser le cul à l'entrée. Mais finalement, rendre culte aux anciens. Rendre culte aux ancêtres, non, faut que t'aies des prisonniers. Et l'avantage qu'on a avec ce peuple, c'est qu'on peut prendre nos troupes, on se met en mode pillage et on va piller. Donc techniquement, que fait le pillage? Permet d'avoir du fric, du prestige, tout ça, tout ça. Donc on se met là, on lève les troupes, on les bascule en mode pillage, et voilà. J'enlève la pause, poteau? Ouais, vas-y. L'avantage du pillage, c'est que ça fait surtout, c'est que ça fait du fric. Et ça, l'avantage du pillage. Voilà. Et donc, qui dit fric? Tiens, je me suis fait défoncer le trou de balle. Ah. En duel. Bon, enfin, défoncer le trou de balle... On comprend quoi. Bon, mon vassal est venu dans la guerre. Les lois gouvernement. Il fait encore 5 ans avant de pouvoir faire une petite réforme. C'est l'organisation de la tribu, attention. On va nommer un successeur. Bon, on va arrêter avec l'accent raciste. C'est le problème avec la Ligue. Avec la lycra, avec les sauces racistes, avec le crif, avec le truc machin et le bidule, putain, je te jure. Je pense pas que le crif nous casserait les pieds là-dessus. Oh, il casse les couilles à tout le monde. Je nous passe en vitesse 3? Oui. Quand tout change dans le faire la guerre, bon, le temps que les troupes bougent, franchement. Ouais, moi je suis même pour la guerre, moi je pille. Ouais, que je donc, oui, j'avais déjà pris intérêt de la guerre, voilà, ouais. Bon, moi j'ai combien en martial? Ouf, 9, on est en priorité de la guerre. Oui, mais je suis blessé, c'est pour ça. Bon, j'ai juste essayé de me massacrer l'armée ennemie déjà. Je pille.
Tente un assaut. Putain, y a rien à piller, y a pas une thune. Hein. Oh là là. 1-1 la province. Ah! Crois avoir des provinces de U4 qui sont. Tu sais, des provinces où t'as pas une thune, t'as 3 de développement. Ah ouais, mais c'est ça quoi, putain, il faut moins qu'on aille s'approcher, parce que quand je vais m'approcher là-bas, que je vais commencer à les piller en Alodi, non, c'est de la merde aussi. Non, c'est quand je vais commencer à Libadi, c'est de la merde aussi. Malzouzi, c'est... Oh putain. Non, c'est quand je vais commencer à m'approcher de l'Égypte. Là, ça va commencer à être gavage, quoi. Mais c'est vrai que... Oh putain, ah si, non, même... Ah non! Ouais, en fait, c'est que l'Alodi qui pourrit, mais après, dès que j'arrive en Nubie et tout... Putain, la Nubie... Ah. Ah, c'est marrant, c'est quoi comme pays à la con celui-là? Petit royaume de Makouri. Il est super riche le bestiau. Ah, intéressant. Bon, j'ai pas de faction, heureusement. Pour créer mon duché, est-ce que ça me rapporte du fric ces conneries de pillage? 198,4 pouf. Le mensuel 0,65. La dèche. Ma femme est enceinte. Ah ben bravo, sachant que je suis à la guerre. Voilà. Salope. Il y a un mec qui dit que ma femme ferait meilleure duchesse que moi. Je sais pas, il va mourir, je sais pas, hein, sans doute, hein. L'essor du schisme. C'est bien aussi de se mettre en mode pillage, c'est que tu te mets en mode pillage, tu vas taper le pays entre guillemets qui est plus faible que toi, Milan, tu rases ses armées, tu rases son... sa garnison, tu lui déclares la guerre, tu le défonces. Putain, faut pas être pressé. Hein. Ah non, je confirme. Ouais, j'ai volé quoi? J'ai volé. Ouais, 1-2. Une question de niveau de braquage, j'ai un double moins. Ah, c'est bon, j'ai pas les moyens de SD merde là. Enfin, moi, je vais pas te faire venir des servantes. Hein. Ouais, Maintenant, il on n'y a tape. plus qu'à accumuler du pognon. T'as dit quoi? Je n'ai plus qu'à accumuler du pognon pour faire mon royaume. Ah, moi aussi. Bon, faut que je fasse un duel pour l'honneur. Ah bah voilà, ma femme, je... Ah bah tiens, j'ai un mec en prison. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, avec les raids, il y a plein de prisonniers. Donc en fait tu t'emprisonnes et tu rançonnes 36 pièces de thunes. En fait tu te fais plus de thunes en faisant des mecs prisonniers et en les rançonnant qu'en pillant les territoires. Donc, n'hésite pas à les rançonner les bestiaux. Allez, on va faire un petit peu de 36 de pillage. thunes avec deux prisonniers. Pas mal. Voilà, ah ouais ça. Ah oui, c'est vrai que j'oublie ce détail-là. Et après, il y a le sacrifice aux ancêtres. Faut en garder un pour le sacrifier s'il vaut pas de fric. Ah oui. Ah, ça y est, j'ai deux commandants. Impact non-agression. Hop, le siège est terminé. On fait ici. C'est qui lui? Ah, ouais, mais non, j'ai peut-être pas. Il est où lui? Mandikoué. Bah non, je vais surtout pas mal avec lui. Tiens, par contre, poteau, t'es où? Tendance pour être ami. Ok, ça s'est pillé. Non, ça c'est chez toi, je vais peut-être pas aller te piller, tu le tu l'auras un tout petit peu mauvaise. Je pense aussi. Une divinité protectrice, ça fait quoi? Allez, on va se rendre une divinité protectrice. Faire le très blessure, obtient le très baf. Ah. Il y en a d'autres, ouais. Bien ça.
Société Pepponeur à Fontaine-Friventuel. Ah, le pognon qui monte grâce au pillage, c'est beau ça. Le quoi qui monte? Le pognon. Ouais, bah, pas très vite, hein, parce que c'est des provinces de Clodo, mais c'est surtout quand tu vas vendre les. Oui, c'est des provinces de Clodo, c'est sûr, mais. Puis je passe à la province suivante, c'est tout. En fait, c'est surtout, ouais, voilà, tu prends, tu pilles, tu captures le mec et tu passes à la suite. Je suis pas un thé. Non, ça sert absolument à rien. Augmenter les impôts, tu sais, pendant X années, mais ça coûte de l'or, du prestige. Le Ouais. problème, c'est qu'à. Le problème, c'est qu'en fait, c'est des provinces tellement pauvres que. Allez, 004, 002, enfin 02 plutôt. J'ai du monde dans mes prisons? Ouais, j'en ai deux. Moi, tu voudrais, toi, rançonner 26 pièces d'or, je prends. Et toi, tu me rapporterais combien? Pièces d'or, non, toi, on va te sacrifier. Vendre plutôt aux anciens. Le guide des mondes. Hein? Non, je vais pas offrir mon champ. Hop, un prisonnier, 60 piétés. Bim! H plus 2. En plus, pour commencer. J'adore le titre, tu sais, H plus 2, comme dans les jeux de rôle. 193. Ah ouais, non, mais c'est bien en fait ça. C'est vrai que j'oubliais les pièges comme c'est bon. Putain. L'autre, en fait, j'ai capturé sa femme. Ou j'ai capturé son fils, 136 de, ou 26 de récompense, je sais plus. Et après, au final, j'ai sacrifié sa femme, 62 piétés. Et une H plus 2. Bon, je prends. Et le tout sans déclarer la guerre. Par contre, je sais plus si on peut. Ouais, si on peut piller n'importe où, c'est pas forcément un truc frontalier. Par contre, après ce pillage-là, je vais me reposer parce que mes troupes, là, elles prennent un peu cher. Ouais. Mais j'ai en santé. 5 de santé. Tiens, poteau, je t'invite à taper une bouffe chez moi. Ça dure, c'est un kebab? Ouais. Hop. Hop. Est-ce que j'ai des prisonniers? J'ai pas de prisonniers, comment se fait-ce? Bon, et après, on ramène les troupes, on enlève le mode pillage. Ouh. Ah, c'est vrai que les armées pieuses ne coûtent que 10% de maintenance. J'ai oublié ce détail. C'est vrai que ça coûte Ah que ouais. dalle. Voilà. Bah les gars, on s'en fait un petit pillage. J'ai pas de prisonnier. Oh là là, 192, 069. Ouais, ok. Donc là, on est pas mal. La société, ouais. Ça me fait quoi ici? Plus 0,25 de prestige, ouais. Pour provoquer en duel. Ouais. Est-ce que j'ai des ennemis? Pas de. Ah, c'est mon amant, c'est moche ce truc-là. Ça, j'avais vu un truc sur ça. Sur le. Je sais plus où j'avais lu ça. Bon, toi, tu vas me dire, bah oui, c'est logique. Le principe des mariages de raison à l'époque. Où les rois, ouais. en fait, ils se mariaient avec une gonzesse pour une histoire d'alliance, de ceci, de cela. Mais qu'en fait, concrètement, il était amoureux d'autres femmes, quoi. C'est d'où les maîtresses, quoi. Bah oui. C'est un truc assez courant, je veux dire. Tu regardes beaucoup de rois, ils sont pas, c'est pas eux qui ont choisi leur époux. Hein. Ouais. Il y a Louis XIV, Louis XIII et tout ça. C'est pas choisi, hein. Ouais. Je pense que j'ai rappelé qu'il y a Gare sans... okay. Ouais, à Gare sans... c'est à cause de ça, ouais. Ouais, Édouard III était marié à la reine de France depuis qu'elle avait 2 ans, la gamine. Hein. Pas mal. Ouais. Elle avait 2 ans, la gamine, le mariage était prévu, hein. Donc ils auraient l'âge de raison, mais c'est déjà prévu. Impressionnant, attends. Non, je vais quand même pas le tuer, on a dit un truc au premier sang. Ah, et ma femme, j'ai mis un peu les chiennes. Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est.
Ok, donc, combien de gens capacité de combat? 27? Ouais, ça monte, ça monte. Mon amante est aussi enceinte. Eh, vas-y, moi, je te tire en tout. En fait, ouais, ce qui est marrant, c'est que je suis un roi blanc là-bas, quoi. J'ai dû se perdre. Et c'est quoi, Durbawa? J'aime bien, j'ai que des enfants métis, et j'en ai un, il est blanc. Il est blanc, et sa mère, c'est qui? Ah, ouais, je suis blanc, sa mère est noire, il a une tête de Mexicain, quoi. Voilà. Est-ce que je prends le trait colère? Oui, non, vaut mieux le trait colère pour les combattants. Combien j'ai? 27 en capacité de combat, ça va, ça le fait. Prestige mensuel. Allez, dès que j'ai mon duché, je vais mettre des claques sur le coin de la gueule. Une importante, le défi doit te faire. Tic-tic-tac. Est-ce que j'ai un motif pour lui mettre sur la gueule? Ah ouais, c'est vrai qu'on a l'assujettissement, j'oublie ce détail. Chancelier, en plus il me kiffe. Encore un gosse. Que dalle, ma maîtresse est morte, je m'en bats les couilles, j'en prends une autre. Ah, donc ça y est, je suis duc. Ah. Oh, bon, m'amène à devenir ambitieux. Zomfra, hop, intérêt de la couronne. Oh, j'obtiens forte ambition. Allez, 13 thunes et 1,8. Ah voilà, je vais pouvoir me grossir un peu. Grande chefferie, où ça? Hop. Voilà, Ouagadou, il y a de la thune. On va faire plaisir. Dora, hop. Dora l'exploratrice. Je peux déclarer la guerre. Ah, parce que je suis en déficit. Ouais, je suis en faillite. Donc si je suis en faillite, est-ce qu'il y a des troubles dans sa ville à la con? Ouais, donc on va l'armée. On va lever les troupes, on va les piller, on lui met sur la gueule. J'ai changé de drapeau! Waouh. Allez, on va te piller, on est full tout. Voilà. Il y a 904 hommes, comme ça je le massacre. Combien il a sur son territoire, la con? 1,8. Bon, c'est pas beaucoup, mais. Ah voilà, j'ai compris pourquoi je peux pas piller. Je peux piller que les provinces qui sont frontalières de chez moi. Ouais, ah ouais, donc ouais, c'est ça, c'est. C'est le problème. Puis un endroit où je suis déjà passé, donc du coup bah. Hop. Alors voyons. Je vais envoyer un émissaire pour t'influencer qu'on devienne pote. Ah, je peux monter dans la société, donc je vais passer. J'ai gagné un de martial et 5 de compétences de combat. Je prends. Allez, bien tout fait. Voilà, là il est mal. On rapatrie les troupes. Ma femme est morte d'un cancer. Oh, Tristesse. je vais t'en trouver une autre. Si, c'est celle qui disait, ouais, mais elle est meilleure que toi. Puis, déclarer la guerre. Ouais, non, revendication de 2 jours sur. Ah non, ça fait perdre du prestige. Celui-là.
Hop. Bah, il a plus de troupes, le pauvre. Oh putain, c'est déjà la fin de l'épisode. Triste, hein, qu'il n'y ait plus de troupes, hein, tu te rends compte? Ça passe trop vite. Donc voilà, le Serikai. T'as fait quoi? T'as fait une guerre d'assujettissement, toi, pour grossir comme ça? Bah ouais, c'est Ah ça. ouais. Moi, le problème, c'est que j'ai que de la merde. Le seul que je pourrais assujettir qui valait le coup, c'est toi. Et je pense que je me ferais défoncer le trou de balle. T'as Bon, combien je. d'hommes? T'as combien d'hommes? J'ai rien, j'ai 1500 hommes. J'avais 1700 plus 1600 avec mon vassal. Façon, on s'en branle. Si, il faut ajouter éventuellement, comme on disait, peut-être que. Si, ce serait que je déclare la guerre à. T'as Yuari? Yuari, il a quoi comme territoire, lui? Tu sais, qui est en bas à droite de chez toi? Oh putain! Ah bah en plus, si je regarde. Royaume de Jure. Oh, il a deux territoires, entre guillemets, à moi, tu sais, ton vassal qui est en bas à droite de chez toi. Ouais. Il a deux territoires qui sont chez moi, un qui est chez toi. Par Va contre, falloir qu'on voit ça. il a 600 hommes et il a son allié qui a 1000 hommes. Ouais. Façon, lui et son pote, ils ont plus de troupes que toi. Ouais, mais je me mets en. Oui, mais attends, là, je commence à m'étendre maintenant. Je vais Si t'inquiète grossir. pas, dire au pire, je lâcherai Oui, le machin je. parce que ça me casse un peu trop les pieds, le bidule. Voilà, tu le relâches. Moi, je le défonce à ma gauche. Toi, tu le défonces en haut. Et voilà, quoi. Bim, bam, boum, mais il est plus là, quoi. C'est Mais ça. développe-toi. Pour l'instant, j'ai pas besoin des territoires. Donc voilà, quoi. Donc. Voilà. Tiens, non, il n'y avait pas avant, j'avais cru voir une période où ils avaient parlé qu'il y avait un casus belli qui était en fait, quand tu déclarais la mec et que tu avais, par exemple, trois revendications chez lui, où tu pouvais presser toutes les claims. Là, tu es obligé de faire un par un, c'est casse-couille. Bah, en fait, il suffit en fait, d'avoir plusieurs claims, mais il faut que ce soit la même personne qui les claim en fait, parce que c'est un peu chiant. Ouais, bon, marrant ça. Bon, bah, dans tous les cas, les gens, on verra ça demain dans la suite de la série. Donc voilà. Sur ce, on vous dit bye bye et on se retrouve demain pour la suite. Ciao tout le monde! Ouais, Jean.